bah ce sera pour après. C'est le frère déchu de Vendrick si jamais. D'accord. Te voir en slip pour mon premier live que je regarde, ça commence bien. Bon, attends, on va commencer full vie. On sait jamais. Je sais pas ce qu'il fait, mais ça a l'air génial. Ah oui, c'était bien, dis donc. C'était intéressant. C'était bien. C'était très très bien. Allez, fini le jeu, Crane, j'aimerais bien. J'aimerais bien. C'est malin, il attend que tu ramasses tes âmes pour te one-shot facilement. Je vois ça. Bah, il est gratuit le boss, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai rien vu. Je vois des attaques, j'attends de voir ce que ça fait. Est-ce que je peux l'interrompre? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, attends. Je voulais voir si je pouvais faire une roulade insta quand... Non. Il y a peut-être moyen, hein, mais peut-être en étant plus vif. Faudrait que j'essaye de rester à distance, mais je veux prendre mes âmes à chaque fois. Ah bah ça y est, il est plus là le mob. Donc du côté de la lance, pas du côté du bouclier? Enfin, ça me paraissait plus facile du côté du bouclier. On est obligé d'attendre pour la porte, ils peuvent pas la laisser ouverte la porte. À quel moment ils se sont dit, tiens, quand il va faire des trails sur les mobs de fin, et bah à chaque fois il devra se retaper l'ouverture de la porte, ça va être bien. Niveau game design, c'est top, c'est top. C'est le trou last boss. Ok, alors c'est ça qu'il va falloir comprendre.
je pense que j'ai pas besoin de mail comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il s'enflamme. Voilà. Oh mince. Je suis mort très très vite. Très vite, c'est dommage. Bon, il est un peu pourri le boss, ça devrait aller, mais juste là je m'attendais pas à mourir si vite. C'est pas le fight le plus intéressant du monde, mais ce boss est d'une simplicité ultime avec un build magie foi. Le feu ça brûle exactement. Ouais, ça brûle très très vite, hein, par contre. J'avoue, c'est le boss de l'ennui, un peu. Bon, bah, ça devrait le faire, ça devrait. Oh, j'ai cru comprendre que t'attends qu'il se TP, t'as une petite fenêtre. Par contre, ouais, je peux pas. Une fois qu'il est en feu, j'ai l'impression que je peux pas le bourrer, donc il faudra que j'aille. Faudra pas que je le tape quand il est en feu, quoi. C'est trop dangereux. Avec un build distance peut-être, mais... Allez, 7 km. On va juste essayer de pas se prendre les grosses attaques pour passer à one shot. Et mais me spoilez pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se healer. Bon, j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Bon, elles sont à tête chercheuse, ça j'ai bien compris. Mais je croyais qu'en tournant autour, je me les prenais pas. Là, je me les prends. Donc, je pense qu'il faut que je roule, tout simplement. Je voulais pas rouler exprès, parce que je me disais, bah, ça, y a pas besoin. Non, Cyrano en boss de fin, c'est bien. Ou le Fume Night. Ouais, c'est les musiques du 1. Mais c'est vrai, peut-être que je pourrais les remettre, les musiques du 1. Attendez, je vais couper la musique de Dark Souls 1. Et puis on va mettre les musiques...
On va remettre les musiques du jeu. Non, c'était pas les options d'affichage. Ok. Il doit bien y avoir une musique sympa sur le boss de fin. Déjà 3 heures. C'est bien parce qu'on va finir le jeu. Ce sera le silence jusqu'au boss. Et après... Après, histoire qu'on ait la vraie musique pour la fin du jeu, pour la cinématique, pour ce truc-là. Enfin, après, je vais peut-être galérer longtemps dessus, hein. Peut-être qu'il faudra le finir demain, hein, je sais pas. Hein, parce qu'il est tard, j'ai moins de... Je suis fatigué, j'ai moins de réflexes, je peux faire de la merde. Hein. C'est possible. Hein. Oh, pas eu de décès de Twitch de mon côté. Alors, là, on va faire gaffe parce que... très chiant ça parce que je sais pas comment les complètement l'éviter. Voilà, je l'ai complètement évité. Je suis mort. Non, bah j'ai pas compris. Je t'aime mon ami, ça c'est gentil. Non, j'ai pas compris cette attaque là. Je l'ai... Les 2-3 premiers tries, je les ai 100%, quasiment 100% esquivés sans aucun problème. Et là, je me les prends. Donc j'ai pas compris. Je pensais juste en courant et là en roulant, mais... J'ai pas compris. Je les ai esquivés instinctivement sur tous les premiers tries. Et là... Maintenant que je les vois et que je me dis il faut que je fasse attention, c'est maintenant que j'y arrive plus. Les boules de feu arrivent en estac, c'est ça. Non mais c'est ça la magie des problèmes qu'on a sur la chaîne récemment, c'est que ça touche pas tout le monde. Ça rend le truc encore... Parce que s'il y avait un problème que tout le monde a, bon bah voilà. Allons-y. Ça marche, Vivat. C'est la meilleure attaque celle-là. Ah mince. Pourquoi je comprends pas des fois. Oui, il disparaît.
Non. Ok, c'est bon. Bon, là, il est pas content. Il va falloir faire attention maintenant. Il est pas content du tout. C'est chiant ça. Tu veux bien me téléporter s'il te plaît? Merci. C'était gratuit. C'était gratuit. Ce boss est... Voilà. Voilà. Non mais oui, il est. Oui, je vais le battre. Hein. Je m'en fais pas trop. Il est pas très dur ce boss. Hein. C'est juste que là, bah voilà, c'était gratuit. Il peut 3 pop dessus et one shot. Tu le sais pas. Donc maintenant, à chaque fois, faut courir. Ah, il est pas content, tout ça, tout ça.
Et bim. Alors c'est quoi la différence? Qu'est-ce que je suis entre quoi et quoi? Apparemment je peux aller à deux endroits. Qu'est-ce qu'est light, qu'est-ce qu'est dark? Vous pouvez m'expliquer les deux fins? Histoire que je fasse pas de bêtises. Dites-moi tout, que je prenne la bonne fin. Soit tu éteins la flamme, soit tu la rallumes. Alors, qu'est-ce que ça a comme, comme implication? Si j'éteins la flamme, le trône où tu te barres. Un trône naze ou une fin de dos stylée. Ouais, non, mais tu es en train de me dire que je peux pas devenir roi. Il n'y a pas de bonne fin, très bien. Rien du tout, ça change rien. Le trône, c'est lequel? C'est celle-là, le trône, j'imagine. Moi, je veux le trône. La lumière, la race des seigneurs. Les ténèbres, la race des hommes. Oui, c'est pour ça qu'il faut comprendre le Lord Odéas. Moi, je le connais pas bien. Je veux savoir, deviens roi. Prends le trône. Si tu entretiens la flamme, tu t'assois sur le trône en mob pimp. Non, t'es sérieux, Krien? J'étais en train de somnoler à cause de la musique. J'ai même pas vu la victoire. Le trône, t'es roi. Quelles sont réellement les implications, c'est ça? Si tu prends le trône, tu deviens... Tu prends le trône, tu deviens roi, tu entretiens la flamme. Très bien, si j'entretiens la flamme, c'est quoi la conséquence? Ça veut dire que les gens sont encore bloqués ici, et voilà. Si je me barre, j'entretiens pas la flamme, qu'est-ce qui se passe? Lumière continue le cycle pendant lequel la lumière et les ténèbres se combattront. D'accord. Tu prends la place de Nashandra et entretiens la flamme, c'est pas bien. Si tu prends le trône, tu deviens un dieu et entretiens la flamme qui maintient le simulacre de paix. Si tu te barres, la flamme s'éteint et le chaos et les ténèbres recouvrent le monde. Eh ben, je vais rester. C'est pourri. Ah. Ah, le choix n'est pas facile. Tu entretiens la flamme, rien ne change. Si tu refuses, ce sera le chaos. Ah. Il est nul ce choix. Il n'y a pas de bon choix. Dans les deux cas, c'est pourri. Bah je sais pas. Je sais pas. Alors apparemment, Scholar of the First Sith rajoute une nouvelle fin.
Utilise le katana. Non, je vais me barrer. Je vais me barrer. Pour se barrer, c'est dans la porte, j'imagine. Si je vais par là, je chope le trône. Et si je vais par là, je me barre. Crane, je précise que c'est une blague. Ne le fais pas. Je l'ai plus. Si t'entretiens la flamme, t'es Manuel Valls. Si tu te casses, t'es Mélenchon. La porte. Moi, je pense que je vais me barrer. Hein. J'ai très très envie d'être roi, mais c'est pas bien. C'est l'appel du pouvoir. C'est là, voilà, je ne sais pas. Il faut que je sois plus fort que toutes ces tentations. Il faut que je... Il y a un troisième chemin entre les ténèbres et la lumière. Non, je pense pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait... Fais voir. Je lis un petit peu le lore. Ouais, tu deviens le Dark Lord si tu gardes le trône. Bon, allez, on va se barrer. Pense puissance, prends le trône. Non, on va se barrer. Quitter le trône. C'est vrai que je testerais bien de me suicider. Hein. Je sais pas ce que ça fait de se suicider maintenant. Je suis hyper curieux, hein. Mais je pense que ça fait rien. Je pense que ça fait rien et je l'ai dans le baba. Je pense que ça a absolument aucun intérêt. Non mais elle apparaîtrait dans le... Non, non, y a pas. Non, j'ai pas envie d'essayer. Bon, allez. Pourquoi créer une porte, une armure? Je l'ai juste mise pour la cinématique de fin, Swordevil. Allez. Qu'est-ce qui nous attend? Ça marche, Mister Animal. Et voilà, c'est le GG. C'est le GG. Une run très compliquée. Mais on a réussi. Tu es libre à présent, tu es le héros sacré de la lumière. Cette fin est quand même pas terrible. Crédit pas skippable. Ah, parfait. Tu peux être fier, Crane. Dix minutes de crédit unskippable. Unskippable.
Alors ça fait quoi de terminer le jeu, Crane soulagé? Oui. Non mais le l'Ivory King, je pensais que j'allais jamais le battre, hein, c'était... Et j'ai l'impression que tout ce que je raconte sur cette musique, c'est triste. ONG plus direct? Non, parce que il me manque des potions. Si j'étais maxé en potions, j'irais en NG+, mais... Ah, quoique non, les potions en NG+, elles disparaissent. Je viens d'y penser, c'est con ce que je dis. Osef de maxer les potions. Je sais pas. Elles restent ou elles disparaissent, les potions en NG+? Raconte-nous ton enfance, Crane, sur cette musique. Quand j'étais petit, il m'est arrivé une chose incroyable. Je me baladais au détour d'une ruelle. Quand soudain j'ai rencontré quelqu'un, je ne savais pas, mais cette personne allait changer ma vie. Il s'est approché de moi, il m'a dit « Bonjour petit, tu veux voir quelque chose de particulier ?» Voilà, on arrête cette histoire ici maintenant, c'est fini. C'est fini. Non, il reste les astuces. Ah, il faudra que je finisse ça. Aujourd'hui, mon chat est parti pour toujours, il est maintenant au Portugal où il ouvre une poissonnerie. D'accord, d'accord, d'accord. Pourquoi avoir refusé la suprématie du psychopouvoir fusionné avec les ténèbres et le pagne? Parce que apparemment c'est l'ending pour Dark Souls 3 et puis ça paraît plus logique, on va pas. Même s'il y a 3, ça peut être bien. Crane Life, ça redrop en NG+, jusqu'au cap. Ah, intéressant. Y'a pas une limite aux fioles d'estus, de toute façon tu peux pas les finir en NG+, si apparemment si. Faut se faire un Demon Soul en attendant le 3. Non, on va faire d'autres choses sur la chaîne, surtout, je pense. Mais si je faisais une run en NG+, je la ferais totalement différente. J'utiliserais une respé, je testerais des trucs. Probablement un bouclier avec un gros espadon. Faut déconner non plus. Merci Crane pour ces moments. Tu es maintenant un de mes meilleurs amis. Tu as fini Dark Souls 1? Non, parce que je le jouais sur PS3 et j'ai eu un souci avec ma carte d'acquisition. J'avais genre 10 secondes de décalage quand j'appuyais sur un bouton, donc c'était plus possible. Tu fais Dark Souls 1, il y a une chaîne YouTube super qui explique bien le lore, c'est bien raconté en français en plus. Non, je vais pas faire Dark Souls 1. J'ai pas spécialement envie, j'ai pas des super souvenirs de Dark Souls 1. Une run Berserker nihiliste. Fais le cosplay d'un boss pour ton run NG+. En chevalier de Lois, ça peut être sympa. Hein. Je sais pas si les armes sont bonnes, mais... T'es familier avec Monster Hunter? Non, j'ai Monster Hunter 4 sur 3DS. J'ai testé le jeu et je me suis dit, c'est pas pour moi. Non pas le jeu, mais le gameplay, je le trouve horrible sur 3DS. Je vous dis bonne nuit, merci Crane pour cette longue mais superbe run depuis le début de Dark Souls 2. C'était génial, incroyable, ça rappelait des souvenirs. Merci encore, mais de rien les Fine Elf. Je ne regrette qu'une chose, le fait d'avoir équipé cette couronne à la fin. Du coup, tu étais à plus de 50% de vitalité pour la toute dernière ligne droite, tu étais à ça de pouvoir dire « J'ai fait le jeu en mode carcasse, un demi de vie, mais un grand bravo pour tout ça. » Non, je m'en foutais pour le dernier. Bon, ils étaient pas spécialement durs les fights de fin, donc ça avait pas grand intérêt. Pour moi, j'avais déjà passé la difficulté, et le fait de devenir roi, bah, c'était très bien. Ça m'allait comme ça. J'avais envie de terminer, j'en avais marre. Mais je pourrais le refaire à 50%, que ça changerait rien. J'ai fini dans Lighton, bon tu es pas le seul à avoir abandonné à cause du drop de FPS. Non, c'est pas le drop de FPS, c'était vraiment le délai d'input à cause de mes USB. Crane, il y a un secret, si tu es une femme, l'armure de Lace et l'armure du roi d'Ivoire te rend des PV. Ah, je savais pas.
tu n'es pas allergique à l'anglais, tu peux regarder les vidéos de Vatividia pour le Lord Demon Soul et Dark Soul, il est excellent. Unifoki. Ça n'a rien à voir avec les FPS de DS5, ça avait à voir avec des problèmes de ma carte d'acquisition et mes USB. Oui, Janwan, j'ai réussi. Et puis de toute façon, le début du jeu, je l'avais fait avec l'anneau de lien. Hein. Donc de toute façon, j'aurais pas pu dire que j'ai fait tout le jeu avec 50% de vie. C'est au bout d'un moment où je me suis rendu compte que c'était chiant avec l'anneau de lien. Très très longue cette... ces crédits. Et nous avons Medley, Medley qui se rabonne pour la 10e fois, 10 mois de soutien, merci Medley, des bisous et bim. Et bim le resub de Medley, merci beaucoup. Une idée de jeu pour la prochaine fois, déjà ce soir vous avez une petite surprise. Et puis voilà, après vous verrez. J'arrive au moment du crédit, Sergei Weinstein. Quel est ton bilan de ce Souls alors, Crane? Bah, je suis content qu'il soit plus simple que les autres. Parce que du coup, j'ai pas eu à être aussi frustré. Un peu galère sur le roi d'ivoire. Un peu beaucoup même. Et le faire comme on l'a fait, bah, c'est une façon de faire les Souls qui m'a plu. Comme je vous dis, l'aspect découverte, c'est pas ce qui me plaît le plus. Du coup, l'avoir joué avec vous et avec toutes ces contraintes, c'était vraiment fun. Vraiment très très fun. Bloodborne est encore plus simple que Dark Souls 2. Non mais ça me plaira pas, Bloodborne, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, c'est beaucoup plus orienté action. Je dis pas qu'il faut moins de skills, hein, bien au contraire, mais pour moi le jeu est trop action. Et c'est ce que je pense qui va me déplaire dans Dark Souls 3 aussi. Je suis même pas sûr de l'apprécier Dark Souls 3, hein, à dire vrai. Hein, je sais pas. Quand j'ai découvert grâce à mon frère qui m'a poussé à regarder l'aventure, je suis vraiment pas déçu. Et je te trouve très bon en tant que streamer et joueur de JDR. Bah, merci beaucoup Kindaichi, c'est très gentil. Cyrlone aussi j'ai galéré, oui. Oui j'ai galéré mais j'étais pas en mode je vais pas y arriver. Bon, il y a quelques moments j'ai dû être un peu découragé, mais pas comme le Roi d'Ivoire. Le Roi d'Ivoire c'est le seul qui m'a vraiment fait penser à arrêter de try, quoi. Koukrain, si tu fais le 3, tu penses le faire avec les mêmes restrictions? Non, pas avec les mêmes restrictions. Non. Il y a que tu as affronté un espèce de gros troll comme premier boss et que tu n'étais même pas supposé abattre au début. Ben oui. C'est comme ça qu'on fait. Donc ça y est, c'est fini. 92 700 âmes. Et on est roi. Bon, on a laissé le trône, mais dans notre cœur, on est roi. Fais voir si on lui parle, qu'est-ce qu'elle me dit. Donc on peut voir, attention, bilan de fin de run, combien de morts? Je dirais 2650, peut-être un peu moins. Ah non, 2651 morts. 2651 morts et combien d'heures de jeu? Où est-ce que je vois ça? Statut de joueur, non. Donc déjà niveau 252. Je sais pas où je vois ça. Info joueur. Non. Va acheter l'arme de Nashandra. Ouais, du coup, je suis obligé de... Il est où l'arc? Lis la description de l'âme de Nashandra. Oui, c'est le nombre de fois que je suis mort, en effet.
4 âmes de Loïs. Des âmes à foison à moins que... Anne de la Chandra, reine de Danglée, que les fragments de la bise d'origine inconnue nourrissaient leurs êtres aux côtés de soi-disant rois. Peut-être s'agissait-il tout simplement d'épreuves sur le chemin du couronnement. Un jour, les flammes vacilleront et tout ne sera que ténèbres, à moins bien sûr qu'un héritier ne fasse son apparition. Utiliser l'âme spéciale de cette incarnation de la vidité vous permet d'acquérir une pléthore d'âmes ou de créer un objet de grande valeur. Et un dindon de Medley, plus trop le temps de passer à cause du boulot, mais je suis là. Merci Medley, c'est très gentil. Pour le dindon. C'est pas la bonne couronne. Ah oui, c'est un gros relou. Les deux sont morts ? Ah non, il est pas mort celui-là. Mince, j'ai oublié qu'il y avait un vidéo. Sérieux. Pas prévu ça. Dès que t'as plein de vie, c'est quand même beaucoup plus facile. Ça t'a plu cette run? Ah oui, 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 je me suis bien amusé. Des petits moments frustrants, mais sinon je me suis bien amusé. Alors c'est quoi qu'on peut avoir? On peut avoir l'arc de désir. Bouclier du surveillant. Un espadon du défenseur. Un bouclier du défenseur. Un espadon du surveillant. C'est ça que j'ai toujours pas dépensé. Je dois être à 150 heures de jeu. Un peu moins de 150 heures de jeu. Oui, non, vers les 150 heures de jeu. C'est un arc, donc. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait de spécial? Fais voir, Nashandra. C'est une faux? Alors, il y a un beau, il y a Shim, c'est quoi? Il y a Insight. Elle est où la faux? Ah oui, c'est ici. La faux du désir. Ouf, il y a un troisième truc normalement. Ah, c'est là. La cloche du désir. Ça, tu t'es pas trop mal débrouillé en termes de temps de jeu malgré tes contraintes.
Est-ce qu'il y a un des trois trucs qui est genre un must-have genre ça c'est la meilleure faux, ou ça c'est la meilleure cloche, ou ça c'est le meilleur arc. Il y en a un des trois qui a un statut particulier ou pas du tout? Faut dire qu'il te la faut. Crane, en fait, dans la description d'une de ses armes, on peut comprendre d'où provient la Chandra et on apprend que c'est une partie d'un des boss du 1. D'accord. La cloche fait partie du top 3 pour la malédiction. Bon, ce qu'on va faire, de toute façon, je vais rien prendre. Je voulais juste voir ce que ça allait donner. Pareil au niveau des autres âmes. Il y a peut-être un bouclier qui est absolument PGM de ouf. Comment je peux voir combien. Celui-là, il bloque 95%, mais 65%. Ah, celui-là, il a l'air mieux celui-là. C'est pas un grand bouclier. Bouclier du défenseur, oh, ça doit être un grand bouclier. Comment on voit si c'est un petit bouclier? Et là, bouclier tout court. Petit bouclier. Parade frappe. Parade frappe 100 115. Quatre-vingt-dix en foudre. Bon, bref, on va rien prendre et on va s'en aller. Le bouclier d'ivoire est marrant. Ouais, non, mais je peux pas le bouclier d'ivoire. J'ai pris l'arme. C'est quoi le bouclier du roi? Miroir du roi. C'est lequel ton bouclier d'ivoire? Non. C'est ça que je voulais voir. Ah, du roi d'ivoire, c'est ça. Et votre bouclier d'ivoire? Non, l'espace en draconique, on va le prendre. Voilà. Juste pour voir à quoi il ressemble. Il est un peu petit. Il est un peu petit, mais il est joli. T'es capable de spammer. Ah non, d'accord, c'est pas pour moi. Alors, voyons voir. Ok. Ok. Oh, c'est joli ça. Est-ce que genre il s'use de folie quand je fais ça? Ah oui, 40 sur 60 déjà, d'accord. Quand je le prends à deux mains. Ok. Il est déjà à 30 sur 60. Très bien. Non, j'ai jamais fait les Darkseid. Et je n'ai pas spécialement envie de les faire. Bref, allez, c'est fini. C'est fini. Il est 3h46. On a vu la fin du run. C'est parfait. On s'en va, au revoir Dark Souls 2, c'était une très bonne expérience. Bonjour Dark Souls 3 bientôt, je suis content qu'on l'ait terminé avant. Ce soir, petite surprise, c'est tellement une surprise que je suis même pas sûr de savoir ce que je vais faire. Et bah voilà, rendez-vous à 21h, tout ça, je vous fais des bisous. On se quitte avec l'hymne de la chaîne. Attendez, je vais pas faire ça. Je vais, hop, comme ça on va pouvoir voir combien d'heures.
Combien d'heures son ami? C'était un run de fou, hein. C'était un run de fou. Je suis content d'avoir réussi. 145 heures. 145 heures. Non, je voulais pas faire ça. Voilà, ça c'est fini. Ensuite, il vous faut un petit bonne nuit. C'est important de se dire bonne nuit pour faire des jolis rêves. Voilà, un petit dindon. Il est là. Non, ah non, c'était pas ça. Il est là. Voilà. Au revoir, Crane. Il disparaît. Ça, c'est bon. Et on se quitte avec l'hymne de la chaîne. Je vous fais les bisous. Après l'hymne, je mettrai 3 minutes de publicité pour ceux qui veulent soutenir la chaîne en mettant le son. Vous pouvez mute le son. Voilà, voilà. Des bisous. À ce soir, 21h. Ciao, ciao.